J'ai un DUT GE2I, génie électrique, informatique et industrielle, et ensuite une licence automatisme. Des techniciens, et grâce au numérique, du coup, j'ai pu évoluer en chef de projet sur des offres donc de scanner 3D, relevé de bâtiments, modélisation numérique de bâtiments, de toutes les prestations autour du BIM. Aujourd'hui, plutôt que de construire des bâtiments neufs, on a tendance à rénover donc des bâtiments. Aujourd'hui, via le scanner 3D, on est capable de faire un relevé exhaustif, précis et rapide de la réalité pour ensuite construire un avatar numérique. Cet avatar numérique servira de base au futur travail collaboratif autour de la maquette numérique et du processus BIM. J'identifie deux compétences pour évoluer dans le monde du numérique, la curiosité et l'autonomie. En effet, c'est un métier qui évolue en permanence, donc du coup, il faut faire ce qu'on appelle la veille technologique, se tenir au courant des avancées technologiques et en permanence réapprendre des nouvelles compétences. J'ai fait un master en psychologie sociale, ensuite j'ai fait une licence en économie et j'ai fait dernièrement un master spécialisé dans le domaine du BIM. Quand j'ai créé mon cabinet, d'abord j'ai fait 3 années de recherche et développement autour du numérique et j'ai utilisé le BIM, donc la maquette numérique du bâtiment, comme un véritable support de recherche. En allant prélever les savoir-faire auprès des experts, j'ai souhaité les collecter dans une maquette numérique de compétences. Et au final, j'ai connecté les deux approches. Donc j'utilise la maquette numérique du bâtiment comme un outil de valorisation des savoir-faire. Donc la valeur ajoutée que je peux apporter quand j'interviens notamment dans le BIM management, c'est cette position de recul que je peux amener au sein d'un cabinet et puis toute la dimension qui touche au travail collaboratif dans sa transversalité et qui est duplicable du secteur du bois, du secteur médical jusqu'au secteur du bâtiment. Donc le numérique a été vraiment pour moi une opportunité de capitaliser et de transmettre les savoir-faire des professionnels grâce à la maquette numérique du bâtiment.